Maintenant, je me sens bien. Je sens le vent du passé parcourir mon visage. Une légère brise apportant mes plus beaux souvenirs. Et transporte mon âme dans un lieu où je serai enfin en paix avec moi-même. Est-ce déjà le paradis, Joshua ? Même dans un monde dans lequel les morts reviennent à la vie, on est toujours dans le doute. Toujours dans la même peur de ne pas pouvoir retrouver les gens qu'on aime après. Pourquoi j'existe ? Elle méritait pas ce qui leur est arrivé. Je ne peux pas. Je peux pas continuer à vivre ça. Pourquoi faut-il que je sois dans cet état ? Il faut que je retrouve un semblant d'amour. Un semblant de contact avec les gens que j'ai perdus. Je ne peux pas rester comme ça. À me laisser contaminer par cette souffrance qui ronge mon âme et mon cœur. Je ne sais pas. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je me sens tellement proche d'elle dans cet état. De Sarah et de Laura. Tu t'acharnes sur moi. Est-ce que je me laisse succomber à la folie? Il n'y a pas de mystère sans vie. Il n'y a pas de vie sans mystère. Je ne peux pas accepter la mort. Pas l'accepter, tu m'entends? Tu peux pas me faire ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je peux pas rester seul. Je mérite pas. Je suis censé juste attendre. Je veux savoir. Est-ce que je dois danser? Seul. Pourquoi ne puis-je pas être au courant? Ne suis-je pas donc spécial? Ne suis-je pas le passeur? Tu voulais dire que c'était écrit? Que ton putain de destin m'a rattrapé? Est-ce que je suis en train de me laisser noyé dans un flux de souffrance et de perpétuel chagrin? Est-ce que je le mérite? Oui. Y a-t-il quelque chose tapis dans l'ombre prêt à me sauter dessus et à m'emporter? Non. Oui. Est-ce que tu me détestes? Il y a forcément plus. Non. Pourquoi je suis obligé de vivre tout ça? Alors que je pourrais les rejoindre et être heureux avec elles. J'aimais les faire rire. Parce qu'en faisant ça, je sentais au plus profond de moi-même que j'étais quelqu'un de bien. Ah ! Ok. S'il y a une chance qu'elle te voit, Joshua, tu ne dois pas les inquiéter. Tu dois les rendre fiers de toi. Gueule de Trouille était en charge de la seconde Barthélemy. Malheureusement, il est mort. Et donc, c'est à présent à toi de t'en occuper. Mêlée.
Félicitations. Dorénavant, tu es le nouveau gueule de trouille. Silver n'est plus. J'ai besoin d'une personne avec laquelle je pourrais observer le soleil se coucher. J'ai besoin de retrouver l'être que j'aime. Les êtres que j'aime. Aide-moi à les retrouver. Aide-moi à les voir. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin de croire. Joshua, my poor tramp. I'm sorry to bother you in your sadness, but we have so much work to do. Dry your tears and get up. The de Chevelin sent me a letter. They want to see you. J'irai les voir. Et... And you have plenty of other missions. Silver Kennedy killed many cats with his bare hands. The poor little Christopher is still alone. Lost. Je vais sauver... Christopher et Silver. The war is coming. We have to find allies. I'm counting on you. Et je vais faire tout ce que tu me demandes de faire façon... Façon... Y'a que ça que je puisse faire. Joshua Parker. Héros des limbes. Clown triste. Come on. Don't be so gloomy. And shave that mustache. Laissez-le passer. Monsieur Parker, votre réputation vous précède. Asseyez-vous donc, je vous prie. Je préfère rester debout, merci. Je m'appelle Henri Deschevalets. Et voici mon épouse, Madeleine. Nous travaillons au Parlement des chats. Je suis chargé des relations avec les mondes extérieurs. Madeleine est ministre de la Justice. Voilà pour les présentations. Mais venons-en au fait. J'ai cru comprendre que vous aviez épousé notre fille, Laura. En effet. Voyez-vous, cette nouvelle a causé pas mal de troubles dans notre famille. Elle était promise, après tout, au fils du chancelier, Alexandre de la Clé. C'est quoi le prochain ? Michel de Tabouret ? Ou alors Jean-Marc Desportes ? C'est une affaire sérieuse, Monsieur Parker. Laura a tué Alexandre. Attendez. Vous me faites venir pour parler de sa mort à lui ? Oui. Je vais être franche avec toi. Notre fille était loin d'être notre enfant préféré. Néanmoins, Alexandre est tombé amoureux d'elle. Au début, je pensais qu'il ne s'intéressait à elle que pour son physique. Tu connais ça, n'est-ce pas ? Enfin, bref, il s'est avéré qu'Alexandre était vraiment amoureux de Laura. C'était une joie de les voir dans notre demeure. Le fils du chancelier. Tout ce qu'il y avait autour de lui brillait, même Laura. Je n'ai jamais été aussi fière de notre fille qu'en présence d'Alexandre. C'était un charmant garçon. Oui. Et puis tu es arrivé, Joshua, et tu as tout gâché.
Le détraqué des limbes. La grande folle. Ouais. L'homme aux mille surnoms. Tu sais que je suis sortie avec ce gars quand j'étais vivante. T'es sérieuse? Toi avec un mec? Eh, hey, il a son charme. Et puis il a des hanches de meuf. C'est déjà ça. J'espère que tu préfères les miennes. Bah, qu'est-ce que tu fous, Eve? On est en service. Pff, t'as honte de moi? Non, mais j'aimerais bien qu'on respecte notre taf, ok? Si tu veux. Sans moi, votre ville aurait été détruite, hein. Vos soldats sont pas très efficaces. Laisse-moi te dire une chose. Tu es juste arrivé à temps. Quand tu t'es téléporté derrière les Féboriens pour l'assommer, mes soldats allaient lui décocher une flèche dans la carotide. Tu dois ta réputation à quelques secondes. Tu te crois indispensable. Mais vois la vérité, vagabond. Ta disparition ne changera rien. Tu es pathétique. C'est pas mes larmes. Assez pleuré, Monsieur Parker. Nous vous avons fait venir pour compléter l'enquête que nous menons. Savais-tu que Laura était devenue sorcière? Non. Je l'aurais arrêtée, sinon. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'étais prisonnier du duc. Ah oui, le duc. L'un de tes amis. Croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Que tu le veuilles ou non, lui et toi êtes semblables. Des éternels adolescents qui refusent l'ordre et l'autorité. Arrêtons les philos deux secondes si vous voulez bien, vous m'avez fait venir pour votre enquête, non? Oui. D'ailleurs, voici nos autres invités. Daniel et Lana Connelly. Laissez-les passer. Madame Deschevalet, vous souhaitiez nous voir? Oui. Connaissez-vous ce garçon? Non, ils ne me connaissent pas. Mais moi, si. Coucou. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Sarah, vous connaissez notre fille? Ouais. Je connais aussi les méthodes d'éducation de monsieur ici présent. Hein? Où se trouve notre fille? Vas-y, sors ta ceinture. Mais contrairement à ta fille, et comme un pote à moi, je risquerais d'aimer ça. S'il vous plaît. Nous sommes conscients de nos péchés. Il n'y a pas un jour où nous ne pleurons pas sur ce que nous avons fait à notre fille. Vraiment? Vraiment? Parce qu'en voyant le Cro-Magnon devant moi, j'ai du mal à penser qu'il puisse ressentir quoi que ce soit. Écoute, gamin, j'ai pas envie de te faire du mal. Ah ouais? Ça, elle en avait envie, peut-être? On a fait ça pour elle! Pour qu'elle aille au paradis! Pour lui offrir un monde meilleur! Après la mort! Surprise, pauvre con! Pas de paradis! Ni pour elle! Ni pour vous, ni pour moi, Daniel, ni pour eux. Daniel, arrête, lâche-le. Ça rime à quoi, les bourges, hein? C'est la réunion des parents horribles, c'est ça? Tu sais que ce soir, ça fera 2 mois qu'on est ensemble. Ah oui? Le temps passe si vite. Je vais te faire un gâteau. T'es une mauvaise cuisinière, chérie. Tu me sous-estimes. Tu vas goûter le meilleur gâteau de toute ta mort. J'ai hâte. Sarah Connelly est un témoin essentiel. Nous avons promis à Monsieur et Madame Connelly de retrouver leur enfant. Tout Jésus. Vous savez quoi? Allez vous faire mettre, et pour vous deux, allez... Joshua, tu as de la chance d'être protégé par la juste prison. Sinon, nous t'aurions fait tuer depuis longtemps. L'immunité doit être agréable. Pas vraiment. Sans la juste prison, je lâcherai l'autre Joshua. Et croyez-moi, je culpabiliserai pas sur votre mort. On va pas laisser partir ici, où est notre fille? Baisse d'un ton, Daniel! Tu sais à qui tu t'adresses? Il est regrettable que vous oubliez ainsi les usages. N'est-il pas habituel de vous agenouiller devant nous? À terre. De notre vivant, votre religion a causé notre perte. Désormais, nous sommes égaux. Enfin, presque. Vous restez des êtres peu éduqués et terriblement primaires. Lana, qu'est-ce que je te répète souvent?
que la société est comme une machine. Il y a les ouvriers et les ingénieurs. Et ton mari et toi, vous êtes ? Les ouvriers. Monsieur Connelly, vous avez travaillé toute votre vie comme ouvrier, n'est-ce pas ? Oui. Vous savez comment la machine fonctionne. Les gens pensent que les limbes sont un nouveau départ. Je considère ça plutôt comme une suite logique. Vous étiez employé dans une usine ? Oui. En échange de votre servitude, nous mettons nos moyens à votre disposition pour retrouver votre fille. Et nous la retrouverons. Joshua nous y conduira tôt ou tard. Merci. Non, pas ici. Monsieur Connelly, ne laissez pas votre femme toute seule. Ce n'est pas digne d'un gentleman. Daniel, je veux que tu me dises que tu me trouves plus belle que ta femme. Madame Deschevalet vous a demandé quelque chose, Daniel. Je vous trouve plus belle que ma femme. Et que désires-tu le plus ? Madeleine, peut-être devrions-nous inviter les Connelly pour une soirée, qu'en dis-tu ? Excellente idée. Qu'en penses-tu, Lana ? Ce sera avec plaisir. J'ai hâte de vous connaître davantage, Lana. Allez-y, entrez. Excusez-moi. Oh ben non, j'avais bien dit à Eve d'éviter de m'envoyer encore des petits puceaux. Je viens pour le poste assistant à pourvoir. Oh, excusez-moi. J'ai complètement oublié, ça m'est complètement sorti de la tête. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose peut-être ? Un petit saké, un rhum, une vodka ? Non, merci. Oh ben tant pis pour vous, hein. Bon alors comme ça, vous êtes venu pour travailler pour la banque de Paradoxe Zéro. Oui, c'est ça. Bon, n'attendez pas que quelqu'un soit motivé pour ce type de poste. On se fait tellement chier. Comment vous appelez-vous ? Victor, monsieur. Victor Poussin. Et dites-moi, Victor, quelle est l'année de votre mort ? 1990. Vous savez pourquoi je vous demande cela ? Pour savoir si la culture et la modernité de mon époque ont permis de développer les qualités nécessaires pour ce travail ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Si je vous demande cela, c'est juste pour une question de paperasse. Parce que, voyez-vous, mon cher, dans un peu du paradoxe, ce n'est pas l'époque qui m'intéresse, mais votre personnalité. Ah bien sûr, vous allez me dire, oui, mais monsieur Georges, l'esprit se forge dans un environnement et une époque. Et vous avez raison de me dire cela. Mais sachez, mon petit, que ce que vous étiez dans la vie n'est pas forcément la même chose que vous êtes actuellement dans la mort. Je vois. Vous voyez, d'après vous, je suis mort quand ? Je ne sais pas. Et c'est ça la beauté de la mort. Nous sommes plus que des hommes parmi les hommes. Je vois. Non, vous ne voyez pas du tout. Avez-vous déjà entendu parler du marquis des Trois Soleils ? Je ne crois pas. Le marquis des Trois Soleils est un justicier des limbes qui affronte les criminels. Sa cicatrice de vie est au niveau de son cœur. La légende dit que sa femme l'a tué.
coup de lame. Aujourd'hui, résultat des courses. Son cœur est brisé en permanence. C'est beau. Oui. Oui, c'est beau. C'est ça, les limbes. C'est l'aventure, c'est les nouveaux départs. Mais sachez que beaucoup ne partagent pas du tout cet avis, hein. Prenons ces fanatiques qui se font appeler les nostalgiques. Ils détestent les chats. Vous savez pourquoi qu'ils détestent les chats? Parce qu'ils pensent que les chats ont trahi les vivants pour vivre heureux dans la mort. En tout cas, moi, personnellement, dans ma vie est un rêve. Et aujourd'hui, dans la mort, je suis pleinement réveillé. Vous dites de belles choses, monsieur Georges. Oui, je sais. Je me sens ému. Ça fait combien de temps depuis votre renaissance? 2 semaines. 2 semaines. Et vous voilà déjà à la recherche d'un travail, et vous voici à la banque de Paradoxe Zéro. Je me suis rendu compte qu'il fallait se nourrir pour pas devenir un monstre. Oui, jeune homme, mais sachez que rien n'est gratuit, pas même dans la mort. Combien de DA avez-vous? 40. Non, 40 DA? Mais comment avez-vous gagné ces 40 DA? J'ai travaillé dans le Paradox Times en distribuant des journaux dans la rue. Non, c'est ce que j'ai fait moi à mes débuts. Vraiment? Bien sûr. Figurez-vous, quand j'étais jeune homme comme vous, je distribuais des journaux. Et un jour, je suis tombé sur celle qui m'a précédé. Elle était belle. Extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, elle travaille au Parlement des chats. Eh bien, sachez qu'après de grandes discussions, alcoolisées, on en vint à coucher ensemble. Voyons, monsieur Georges. Oh ben, mon petit, ne soyez pas si coincé que ça. Sachez que la mort sonne souvent avec la débauche. C'est revigorant. Puis ça fait pas de mal, au contraire, ça fait du bien. Bon, enfin, bref, après des nuits torrides, je devins son secrétaire. Et je me suis retrouvé à diriger le département des prêts de Paradoxe Zéro. Ne me regardez pas comme ça, jeune homme. Je vais pas vous faire subir le même sort qu'elle m'a fait subir. À moi, mon petit coquin, que vous me le proposiez. Non, je crois que ça ira. C'est pas grave, quelle heure il est? Oh là là, j'ai rendez-vous là, tout de suite, là. Vous avez encore un petit moment? Oui, pourquoi? Parce que là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et j'aimerais vous tester à ce propos. Ah, t'es enfin réveillé? T'es prêt pour la suite? J'ai une grosse surprise pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bah t'as tué 12 personnes. Je plaisante, t'en as tué 48. Mec, sérieusement, je suis fier de toi. Hein. C'est comme en beau vieux temps quand je joue à Paradox Limbo. Toi, t'es le bras, et moi je suis le cerveau. Garçon, t'es qu'un pauvre idiot, imbécile et raciste. Je suis pas raciste! D'accord, je suis pas raciste, regarde-moi. Regarde-moi, je suis pas raciste. C'est pas parce que j'ai fait une blague sur les noirs que ça veut dire que je suis raciste. T'es comme tous ces mecs là qui arrivent pas à rigoler aux blagues sur les camps de concentration. Essaie de t'ouvrir un peu. Ouais, t'as raison. Dis-moi, garçon, t'es pas déçu que Proteus t'aime pas? Pardon? Enfin, t'es quand même son petit toutou à le suivre partout. La ferme. Enfin, tout le monde a eu son morceau. Joshua, Morgan, Elton, sauf toi. Je t'ai dit de la fermer. Joshua et Proteus vont prendre un verre. Ok, ils déposent leurs affaires sans porte-manteau. Ils vont prendre quelques verres, ils échangent et rigolent. Et après une vingtaine de minutes à peu près, il y a Joshua qui dit « Hé, il est où Axel ?» Et Proteus, il en a rien à faire. Ils continuent, ils blaguent, ils échangent. Et à la fin, bon voilà, le bar va fermer, donc ils partent. Et à la fin, ils vont prendre leurs affaires. Joshua prend ses affaires et dit « Ah, tiens, salut Axel, ça va ?»
C'est toi le porte-manteau. Shiver Kennedy, tu ferais mieux de pas m'énerver. Garçon, tu vas payer pour tous tes crimes. Dans l'histoire, c'est toi le coupable. Dans ce putain de lycée, tout le monde se moquait de moi. J'étais tout seul. Et puis toi, t'es arrivé tranquille. Et puis t'as commencé à me parler. Et puis tu m'as nourri de faux espoirs. Que je pouvais avoir un ami, que je pouvais être compris, que je pouvais être accepté. Et puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as rejeté, tu m'as humilié. Mec, t'étais plus débile du lycée. Moi? Un débile? Moi? Un débile? Est-ce qu'un débile, il aurait pu, au bout de 3 semaines dans les limbes, pirater un cyborg? Non, je ne crois pas. Toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta misérable vie? Hein? T'as voulu devenir astronaute? Tu te fous de ma gueule? La première fois que tu me l'as dit, la toute première fois, j'ai directement compris que ça n'allait jamais arriver parce que t'es un putain de loser. C'est toi qui parles. Hein? Putain! T'as pas l'air encore plus débile comme ça. Te moque pas de moi. Pardon? Tu disais quelque chose? Désolé peut-être. Débile! Bon, une deuxième décharge. Tue-moi qu'on en finisse. Oh non non non, je ne vais pas te tuer. J'ai encore besoin de toi. Tu es mon arme et j'ai encore besoin de tes poings. D'ailleurs, tu sais pourquoi on est ici? Ici, c'est encore moi maintenant. Très drôle. Tue-moi! Non, Silver. Nous allons retrouver ton petit frère. Et tu vas le tuer. T'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Axel, fais pas ça. J'ai réussi à le traquer grâce à l'énergie féerique qu'il dégage. Axel, fais pas ça! Lâche-moi! Sacré pouvoir qu'il a développé. Et ce ne sera pas suffisant. Axel, s'il te plaît. Ah, je suis Axel maintenant! Je suis plus le débile! Le geek? Le loser? Le puceau? J'ai jamais dit que t'étais puceau. Espèce de... Tu peux pas faire ça. T'as aucune conscience. C'est à moi que t'en veux, pas lui. Il t'a rien fait. Justement, c'est toi que je veux faire souffrir. C'est qui le débile maintenant? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Axel. Axel, tu... Silver? Qui est ton maître? Vous êtes mon maître, ogre Axel. Ouh! J'aime ça. Redis-le. Vous êtes mon maître, ogre Axel. Cette fois-ci, tu ne devrais pas pouvoir te débloquer comme la dernière fois. J'avais fait une petite erreur de programmation, mais... ça arrive au meilleur, pas vrai? Maintenant, allons tuer Christopher Kennedy. Monsieur George! Oh, monsieur Parker! Asseyez-vous, y'a pas de chaise. Venez sur mes genoux, mon petit. Comme au bon vieux temps, pas vrai? Ah là là! Dans votre dernière lettre, vous dites... Attendez, vous dites avoir mangé mes DA. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'étais coincé dans une grotte et j'avais pas vraiment beaucoup de nourriture. Vous n'avez pas eu de problème d'estomac? Non mais vous inquiétez pas, les DA sont très comestibles et ont un très bon goût. Très bon goût, ouais. Enfin bref, ce n'est pas une excuse, monsieur Parker. Vous gérez très très mal votre argent. Je sais. D'ailleurs, Victor, vous allez vous occuper de monsieur Parker. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre un café. Lana! J'en peux plus, Daniel! J'en peux plus! C'est notre punition, c'est ça? Pour le mal qu'on a fait à notre fille. C'est ça qu'elle a ressenti avec nous? Cette angoisse? Non! On l'aimait! Voilà la différence avec ce que ces gens nous ont fait! Toutes ces humiliations qu'ils nous font subir. Et pire,
ce qu'ils nous réservent. Leur regard. Oh mon Dieu. Daniel, tu as vu leur regard? Tu sais ce qu'ils vont nous faire? Je sais pas. Bien sûr que si, tu sais, tu veux juste pas l'admettre. Après avoir détruit notre honneur, ils veulent souiller nos corps. Je les laisserai pas te faire du mal! Mais tu comprends pas? On n'a pas le choix! Ils peuvent nous aider à retrouver notre fille, puis même! Nous devons leur obéir. Nous faisons partie de leur enquête. Mais on le mérite, Daniel. On le mérite. On le mérite. On le mérite. J'ai été une mauvaise mère. Calme-toi, Lana. Tout va s'arranger, tu m'entends? Je veux juste retrouver ma fille. Je veux lui dire que je l'aime. Que je regrette. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ça risque d'être compliqué. Gamin, je passe une sale journée. Je vais te fendre le crâne si tu craches pas le morceau rapidement. Votre fille est morte. Quoi? Pardon, mais vous êtes un peu sourd, en fait. J'ai dit, votre fille est morte! Tu mens, espèce de petite crapule! Pas vraiment. Je suis le mec qui lui a mis un pruneau dans la tête. Tu mens! Regarde-moi dans les yeux, grosse brute. Tu verras que je dis vrai. Même un petit père fouettard comme toi peut le comprendre. Non. Ma petite fille. Ma petite Sarah. Qu'est-ce qu'on a fait, Daniel? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez foiré l'éducation de votre fille. Eh, hey, bonne nouvelle! Si son ovule est encore frais, tu pourras peut-être la mettre en cloque une deuxième fois. Ma petite fille! Arrête, Daniel, arrête! S'il te plaît, c'est pas lui qui a tué notre fille. C'est nous. Baby, je vois d'où elle tenait son impulsivité. Eh, je plaisante. Tu sais, Sarah et moi, on était extrêmement proches. Très proches, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Tellement proche. Désolé. La subtilité, c'est pas trop mon truc. Tout ça pour dire que j'aurais jamais tué une nana aussi classe. Je l'ai juste achevée. Comme on met une balle dans la tête à un cheval à l'agonie. Je t'interdis d'insulter ma fille comme ça! Quoi? J'insulte pas. C'est un bel animal, un cheval. Noble, fier. Avec une énorme... Qu'est-ce que tu cherches à nous dire? C'est le duc qui a tué votre fille. Il se prend pour le nouvel Elvis Presley des limbes. Enfin, après que je lui ai refait le portrait, ce serait plutôt Michael Jackson. Vous connaissez? Du pur son des 80s. Je trouve le duc. C'est pas pour ça que je suis là, mon grand. Pourquoi alors? À la base, c'était pour lui arracher les couilles. Mais je vois une opportunité. Quoi? Vous cherchez à vous repentir, pas vrai? Le petit catholique pleurnichard, là. Oui. Eh ben, tonton Elton va vous trouver une occasion en or. Ça vous dit d'aller buter Madeleine des Chevalets? Ce sont des gens puissants. Et alors? C'est du suicide de s'attaquer à eux. Ouf, pardon. J'ai cru que vous vouliez faire un petit peu d'effort pour vous repentir, mais enfin. Je vais vous laisser avec votre culpabilité, hein. Je vous laisse vivre avec ça. Pas moi qui ai foutu en l'air la vie de ma fille, avec une ceinture. Ça suffit. Nous ferons tout ce que tu nous diras de faire. Ah, j'adore quand tu parles comme ça, chérie. Ça me donne des idées. Si on fait ça, tu nous aideras à retrouver le duc? Ouais. Oh, je nous imagine déjà chassés côte à côte, main dans la main, comme deux hommes. Peut-être même qu'on pourra aller camper sur le chemin. Arrête ça! Pardon, mon beau requin. Marche est conclue.
Vous m'aidez à tuer Madeleine des Chevalets et je vous aiderai à chasser le duc. Gardons ça entre nous, hein. Mais cette main n'a pas servi qu'à en serrer d'autres aujourd'hui. D'après les papiers que je vois, vous avez beaucoup de dettes. Oui, mais pour ma défense, je suis un vagabond, je dois aller dans beaucoup d'endroits, donc voilà! Eh bien, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vous refuse le prêt. Quoi? Monsieur Georges? Non, déjà! Oui, j'ai juste refusé le prêt. Mais monsieur, Parker est un grand ami! Mais comment avez-vous osé lui dire non? En 10 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Vous avez refusé le prêt à Monsieur Parker, un ami, quelqu'un que j'aime tant. Mmh. Combien vous voulez? 85. Oh, 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 oh. 70. 75. Non. 69. Marché conclu. Je me sers? Mais bien sûr, prenez! Chouette! Ah! Bon, Georges? Au plaisir! Je comprends pas. Monsieur Parker, sachez qu'il m'a sauvé la vie! Et qu'il se bat pour une bonne cause! Quelle est cette cause? Oh, mon petit! Mais la cause, c'est la liberté des limbes! Saloperie de chat. Georges, je crois que j'ai... Je vais tuer Joshua Parker. Mes frères et sœurs seront fiers de moi. Félicitations, mec. Tu viens de te faire tuer par le marquis des Trois Soleils. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez embrasser la mort de ma part? Joshua, tu avais quelque chose, je crois, à me dire. Ouais. Zeva et moi avons besoin de toi. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'avais vraiment besoin d'un prêt. Tu m'as manqué, mon ami. Mais sache que j'ai eu vent des problèmes que tu rencontrais. Et j'en suis désolé. Sache que j'ai beaucoup pleuré pour toi. J'apprécie. Dis-moi, tu ne trouves pas que cet endroit est sinistre? Ça sent la nostalgie. Je suis d'accord. On ferait bien d'y aller. Allons-y, mon cher ami. Monsieur le marquis des Trois Soleils. Mon ami à vie, Joshua. Eh bien, allons-y. Allons-y. Thank you.
Christopher? Ça fait longtemps, pas vrai? Wow! Du calme, Sonny Boy. Tu me reconnais pas? Joshua! Tu sais! Le monstre! Je suis désolé. J'aurais dû être là. Pour ton frère et toi. J'ai toujours eu du mal à prendre soin des gens. Mais je vais me rattraper. Tout va s'arranger, Christopher. Je te le promets. Bla bla bla. Joshua, arrête de jouer les preux chevaliers. Avec tes discours positifs à deux balles, t'en as pas marre d'être un cliché? Eh, est-ce qu'un cliché ferait ça? Christopher, bouge-toi les oreilles! Arrête ça. Ça, c'est pour venger mon maître. Silver, tue-les! Silver, finissons-en. Tue-le!
Quel connard. Christopher. Oh, Christopher, tu m'entends? Joshua, il se passe quoi, là? Avant ta mort, que s'est-il passé? Je l'ai agrippé. Et je l'ai lancé à l'autre bout du bus. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? T'as réussi. Réussi quoi? Tu l'as sauvé. C'est pas possible. Hé! Silver, regarde-moi. Tu l'as sauvé. Ça veut dire que... il n'est pas vraiment mort. Et maintenant, il est temps pour Christopher de se réveiller. T'entends ça? T'es pas vraiment mort, Christopher. C'est pas possible. Tu vas retrouver maman. Tes copains. Maman. Tu lui feras un gros câlin de ma part, d'accord? Je compte sur toi, frérot. Pas de bêtises avec elle. J'ai pas souvent été un bon frère avec toi. Mais j'en suis désolé. Mais sache que... tu seras toujours dans mon cœur, Christopher. Je suis fier de toi. Sache que t'es le petit garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Et je veux que tu me rendes un service. Quand tu regarderas les étoiles, tu penseras à moi. Margaret? Tu sais ce que j'aime chez toi? Exactement. Ce silence est absolument exquis. Même la voix de mon abruti de mari m'importune. Tu sais, Margaret, parfois je me demande si je n'étais pas trop cruelle avec ma fille. Et puis après, je me souviens que je ne l'aimais pas. Elle était simplette, vulgaire, et son rire... oh, quel rire! C'était insupportable. J'ai essayé de l'aimer. Rien à faire. Mais, malgré tous ses défauts, c'était une des chevalets. La chair de ma chair. Margaret, pourquoi m'as-tu abandonnée? Ne m'aimais-tu pas? Tu aurais dû m'avorter. Au lieu de ça, tu as coupé le cordon avec tes mains et tu m'as laissé au ras dans cette ruelle. Tu mérites le sort que je t'ai jeté, condamné à entendre ma voix te rappeler tes péchés. Je ne suis pas étonnée que mon père n'ait jamais voulu de toi. Daniel, je ne t'ai pas convoqué. Je suis venu vous parler de nous. Intéressant. Je te croyais fidèle à ta femme.
Elle ne me regarde pas comme vous. Peu de personnes regardent comme moi. J'aimerais vous connaître plus. Impatient. Le dîner que nous avons planifié est fait pour ça. Je sais, mais je serai pas seule avec vous. Tu ne veux pas partager? Quel égoïsme, Daniel. J'ai appris de la meilleure. J'ai un message pour vous. Hé, hey, Madeleine, ça gaze? Elton, je ne t'avais pas condamné à mort. Oh, la mort, tu sais, comme toutes les autres, elle a fini par en avoir marre de moi. Elle adorait mes French Kiss au début, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi autant de personnes veulent ta bouche. Qui a parlé de bouche? Voilà cette puérilité que tu partages avec ton amant, Joshua Parker. Vous ne pourriez pas mourir tous les deux, et définitivement cette fois-ci. Mais où serait le fun avec ça, Madeleine? Joshua et moi, on est comme un tube de l'été. T'es à fond dessus pendant 2 semaines. Après ça, il t'emmerde les 2 années qui suivent. Et un jour, quand tu le réécoutes, t'as la nostalgie du plus bel été de ta vie. Plus je t'écoute et plus je trouve tes mots dénués de sens. Cette conversation m'ennuie. Ah, ok, d'accord, très bien. Une dernière chose et je m'en vais. Il est bon ton thé, Madeleine? Tu le trouves bon? Avec un petit goût de fruits rouges? Vanille? Garde! Garde! Tuez-le! Ma fille est morte, tu le sais! Tu t'es servi de ma souffrance et de celle de ma femme! Je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit! Ça se termine non, maintenant! Ça l'arpille! Le vert, c'est pas ma couleur. Ça va? Je viens de perdre le dernier lien que j'avais avec l'humanité. Oh. Ça te sera utile dans la guerre qui approche. Oh! J'ai pensé que t'aurais peut-être eu besoin d'un truc. Merci. Elles sont bien mieux, celles-là. Je suis prêt. Silver Kennedy. T'as tellement la classe, mec. Tu l'as dit, vieille folle. Allez, let's go. Je t'ai manqué? Je me demande toujours pourquoi tu m'as abandonnée dans cette ruelle. Je pourrais te tuer maintenant. Mais ton heure n'est pas encore arrivée.
Au revoir. Elle m'a quitté, car elle voyait le monstre que j'étais en train de devenir. Me voilà seul avec mes péchés. Tu me manques tellement, ma petite Sarah. S'il te plaît, Dieu, envoie-moi une lumière. Hello, Master, can you hear me? What's up? Did you find the silver? Yes! Did you kill him? No! He's my friend! Come on! He's killed a lot of innocent people. Because he was hacked by a little prick who's working for Proteus. But don't worry. We took care of him. You killed him. No! Jesus! I sent him back to his master with a message. What about Silver? Is he alright? Not really. He's pretty sad because... his brother was not so dead after all. I see. I sent him to a friend in Paradox Zero. Brilliant Italian guy. After the magic of Roberto, Silver will not be back again. And the Marquis? He's with us. Good job. Yeah. Now, yeah. I have a question for you. Uh-huh. Be honest. Yeah, sure. Did you kill Madeleine de Chevalet? No! I mean, I met her and the husband, but... no, I did not kill her. Did somebody kill? Yeah. I have to go. Come back to the house. What? No! Talk Master! Later. Master! Master! Alright! Well. Mazette et boule de paradoxe. Je suis à Parker. Bonjour mademoiselle, on se connaît? C'est toi? C'est vraiment toi? Ah, j'y crois pas! Laisse-moi te regarder. Ah oui, c'est vraiment toi! Ah, j'ai compris! Vous voulez un autographe, c'est ça? Désolé, j'aime non, souvent non, rien c'est sans pas moi ça. Donc. Non. Abigail, enchantée. Tu peux me montrer ton entrejambe, s'il te plaît? Ah, allez, tu reviens de quoi je parle? Non. Oh, c'est pas que je veux paraître grossière ou bizarre. C'est juste que j'aimerais bien voir là d'où je viens. Non. Dites pas que... Si! Papa! Déjà vu? T'en fais pas, papounet, ça va aller. Bientôt tu seras heureux.
me faire? Je peux pas te le dire, sinon ça va gâcher la surprise. C'est le rêve de tout enfant, non? De voir ses parents heureux, ensemble.